Chirac et Giscard, il y a l'union maintenant. Ils vont quand même pas aller faire l'union jusqu'à dormir ensemble dans le même lit. Quoique, on est à Sébastien, c'est fou. Hein. Surtout que Chirac est parti en URSS, il n'a pas amené Giscard et a fait la gueule, Poupoune. Hein, c'est le retour de Chirac à la maison. Avec mon ami Jean-Claude Poirot, qui fait Giscard. Bonjour. Ah, mais dis donc. Non mais, c'est à ce heure-ci que tu rentres. Non, elle s'énerve, j'ai même pas fait encore son bisou. Ah, oui, oui. Salut. Oh, salut, tu vas bien. Alors elle est calmée, ma poupoune. Elle est calmée si on veut, hein, tu sais. Je constate simplement que tu m'as laissé tout seul et ça, c'est inadmissible. Inadmissible, c'est peut-être inadmissible seulement. Tu as voulu l'union, nous sommes ensemble. Laisse-moi de temps en temps vivre ma vie et partir tout seul. Oh oui, oh, ben, l'union, parlons-en de l'union. C'est l'union soviétique que je voulais. Toi, tu m'y as même pas amené, voilà. Je ne t'y ai pas amené, tu vas quand même pas nous chier une pendule pour ça. Oui, mais moi, je voulais y aller. Je voulais y aller. De toute façon, c'était fort incommodant. Ah bon? Il y avait des bruits dans la cabine qui étaient mal insonorisés, il y avait des odeurs de kérosène, alors les bruits, les odeurs, c'était insupportable. Insupportable, mais tu crois qu'elles sont supportables, ils sont demandant tes bruits et tes odeurs à toi. Quoi? Hein? Oui, le bruit de tes mâchoires lorsque tu souris, hein, et tes odeurs de marine lorsque tu reviens du sel. Ouh, quelle horreur. Mes odeurs de marine quand je reviens du sel, ben elle est drôle ce soir, la poupoune. Drôle, t'énerve pas, va. Je t'ai ramené un petit cadeau du RSS. Ah, tu vas être content. Oui, oui. C'est un ticket pour faire la queue dans les magasins. Oh, comme c'est gentil. Oui, comme c'est gentil. Enfin, c'est pas la qualité qui compte, c'est le geste. C'est le geste. Merci. En plus, permets-moi de te dire que... Oui. Je ne comprends pas pourquoi tu me fais des réflexions, étant donné que quand toi, tu vas faire tes safaris au Kenya, tu ne m'emmènes même pas. C'est totalement différent, enfin, ma biche. Mais comment ça, c'est totalement différent? Tu vas au Kenya, tu ne m'emmènes jamais dans tes grandes vadrouilles. Qu'est-ce qu'il y a, ma vadrouille? Je ma vadrouille à moi, tu prends mes safaris à moi, voilà. Tu pourrais quand même m'amener, et puis voilà. Mais qu'est-ce que tu fais? Eh bien, je me tripote. Oh, écoute, tu pourrais tripoter la tienne. Il est amusant. Bon, mais c'est ça l'union, c'est ça l'union. Bah oui, si nous scellions notre union... Ah, ben justement, j'allais te le proposer. Si nous chantions... Une chanson? Oui, une chanson. Chantions. Je sais que c'est de la folie, mais on peut rêver aujourd'hui. L'Élysée, c'est si loin déjà. J'en suis parti, j'y reviendra. C'est vrai que c'est un rêve fou, mais ce serait génial pour nous. Mais gardons bien au fond du crâne les derniers mots de Maria. Evadovia. Quand on a perdu une bataille, on n'a pas perdu Evadovia. La guerre. Ça sera vachement du rail de virer le propriétaire. Il ne quittera pas l'Elysée, il faudra un peu pousser. Evadovia. Mais il faudra se méfier du vieux, c'est pas pour rien qu'il est vieux. Il peut remettre le couvert jusqu'à ce qu'il soit sa mère. Si vous faites pas attention, il vous le mettra dans l'union. Evadovia. 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 Comme ils sont attendrissants. Tout le monde applaudit très fort, M. Poirot, qui est à côté de moi. C'est un Giscard absolument génial. Mais alors, il faudra quand même, mon petit Jean-Claude, que tu reviennes complètement maquillé nous faire Jean-Pierre Foucault. Ah oui, parce qu'on passe quand même ici une sacrée soirée avec Patrick Sébastien, que je vous en applaudis très fort parce qu'il est formidable. Et en plus, c'est un copain qui est très sympathique. Merci de m'accueillir ici. Qu'est-ce que c'est bien.
On se fera une sacrée soirée. Je ferai Laurence. Alors, il n'y a que des fous dans cette émission. Celui qui va venir, il est venu pour nous en France spécialement. Mais vraiment spécialement. Il joue avec des klaxons. Mais il est barge, vous allez voir. Il est hollandais, il s'appelle Toller.